Bonjour, c'est Daniel. Je me trouve actuellement à Ilfworn. C'est dans l'Engadine Grison, dans le parc national. C'est l'unique hôtel du parc national. Donc, il existait avant que le parc national soit créé en 1914. Aujourd'hui, on va monter un col dont j'ai déjà oublié le nom. Bon, je le marquerai. C'est une balade touristique où il y a pas mal de panneaux d'informations dans les cinq langues, les quatre langues nationales suisses plus l'anglais. Et la journée est annoncée belle, donc c'est super. Belle journée, beau temps. Voilà, hier j'étais sur le sommet qu'on voit derrière. Et aujourd'hui, on devrait monter, c'est à peu près derrière moi. Voilà, c'est entre 500 mètres pour la boucle touristique. Et pour aller au col, on rajoute à peu près autant. Donc ça fera 1000 mètres pour la version longue. Voilà, à suivre. Là, il y a des panneaux touristiques dans les 5, quoi, 4 langues nationales plus l'anglais. Et il y en a tout le long de l'information à lire. Alors ici, il y a 3, on va dire 3, dans la famille des sapins, il y a ici la Rolle, qui est juste, voilà, juste devant nous. On va se déplacer, il y a le pin. La Rolle est un pin d'ailleurs aussi. Ça c'est le pin. Et après l'épicéa. Et re un pin. Voilà. Ouais, lors des orages ici, ça doit secouer quand on voit l'entaille que cela a provoqué. Là, on sort de la limite de la forêt, pas mal de pierriers, puis les arbres se font de plus en plus espacés. Le col que je vise, c'est celui qui est derrière moi, c'est Forcladalvalbotch, botch quoi. Ça fait beaucoup de lettres. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un cerf de chamois. Faut franchement les jumelles hein, pour observer ici. Donc le col est derrière moi, c'est un aller-retour. Et je fais la boucle, il faudra redescendre et basculer sur la droite. Voilà, très joli. Je tourne de l'autre côté. Bonjour, Mathieu. Là, je monte au col. C'est un chemin tout en lacet. Pas régulier, ça le fait bien. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a encore tout plein d'Edelweiss. La région est vraiment agréable à ce niveau-là, c'est que les Edelweiss sont nombreux. Alors il n'y en a pas partout, mais suffit de parcourir un petit peu les monts, on finit toujours par en trouver quelques-uns, pour pas dire beaucoup même. Et ça agrémente particulièrement la montée. Voilà, c'est très joli. Le col se trouve derrière moi. Je suis monté là par le vallon qui est derrière. Et le chemin du retour, ça sera là derrière. Voilà, par là. Non, non, t'es juste allé au col. Toi, tu vas aller en haut alors? Ouais. Pas très long, hein. Bonjour, Mathieu. Voilà, la région, il y a plein d'Edel, quoi, plein. Ici, il y en a pas mal, on va dire. Ils sont en fin de saison. C'est pas les plus beaux que j'ai vus, mais c'est toujours un plaisir de voir ces Edelweiss.
Bonjour, Gretzi. Bonjour, Gretzi. Bonjour, Gretzi.